Coucou mes chouchous, bidou bidou, chouchou, bibi, doudou. Et oui, c'est la période de décembre. Alors, c'est la team beauté majuscule. Et voilà ce que j'ai eu en essai. C'est-à-dire que je vais tester pour vous. Et franchement, je trouve ça... Moi, j'adore la marque Benefit. Benefit, c'est vraiment des produits que j'adore particulièrement. Notamment, je vais absolument m'acheter le Oula. Ça, c'est quelque chose que je veux absolument. Le Oula, pour mettre sur les joues, le sorte de bronzer blush. Bref, j'ai vraiment envie d'avoir ça. Donc, je vais me l'acheter bientôt. Je vais me l'offrir. Et puis, il est en mini en plus. Alors, peut-être que je vais me le prendre. Et puis, moi, j'ai eu à tester Hello Happy numéro 5. Alors, déjà, c'est trop mignon. Regardez le petit packaging. Franchement, c'est trop adorable. Vous avez un petit cœur à l'intérieur. Je trouve ça trop mignon. Hello Happy. Je trouve ça trop, trop choupignon. Vous avez même une petite notice. Regardez. Hello Happy. C'est pas mignon, ça? C'est trop choupinou, j'adore. Alors, nous ouvrons le packaging. Franchement, non mais regardez ça. Exactement, ça reprend exactement le petit packaging derrière. Franchement, je trouve ça sublime. Avec le petit rose doré gold. Alors, on l'ouvre. Très facile à ouvrir. Ils sont très bons. Alors, enfin, non, ils sont bons. Alors, donc, je vous le montre. Il est comme ceci. Moi, pour moi, je pense que c'est vraiment la bonne couleur. Ouais, franchement, je vous montre. Hein. Voilà, comme ceci. Mamma mia, la texture, elle est douce, elle est veloutée, elle est onctueuse. On a envie de le manger. je trouve que ça matifie bien la peau. Oh, non, mais regardez ça, franchement. Oh, j'adore. Oh non, mais ça enlève tous les grains de peau. Regardez comment c'est super joli. Alors, on va faire une expérience. Je suis maquillée, hein, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave si je suis maquillée. Alors, on y va. J'ai pas mis de teint, alors on y va. Allez, une goutte. Ah ouais, je pourrais faire comme les youtubeuses. Bon, allez, je vais faire comme les youtubeuses. Pardon, excusez-moi. J'ai oublié. Je vais faire comme les youtubeuses. Mon pinceau fond de teint. C'est spécial. Spécial fond de teint. Alors, voilà. Donc, j'ai fait comme ça. Comme ceci. Mais j'adore ce pinceau. Hein. Mais il est fait exprès pour ça. Hein. Non, mais regardez-moi cette texture. Texture super. Il est génial. Il est très agréable à poser. Franchement, regardez ça. Ah, mais j'aurais dû faire un côté et l'autre côté, et pas l'autre côté. Ah oui, j'aurais dû faire comme ça. Alors, attendez, je vais le faire. Je vais aller chercher de quoi me démaquiller. Voilà. On a beau dire, c'est vrai qu'avant, les pinceaux n'existaient pas. Moi, oh non, mais il sèche vite, mais c'est un truc, c'est une tuerie. Oh, mais j'adore. Oh, mais je l'adore, mais c'est un truc de malade. Il est déjà sec. Oh, écoutez, je vous le recommande à 10 000%. En fait, c'est de la team beauté majuscule. J'ai eu un partenariat. Et sincèrement, non, mais regardez ça. Mais franchement, je l'adore. J'aurais dû faire un avant, un après. Attendez, je vais me démaquiller. Et je vais faire un avant, un après. Comment vous dire? Non mais regardez. Regardez la peau comme elle est lisse. Les pores, ils sont tout lissés. On ne voit plus rien. Et regardez là. Regardez ça. Non mais c'est flagrant. Regardez. Ma peau, elle a quand même vieilli, quoi. Ce qui est normal. Hein. Et regardez là. On ne voit plus rien. Mais même limite, ça atténue les rides, les ridules. Regardez, là, j'ai plus de ridules. Non, mais j'ai rien fait, hein. Regardez, là et là. Non, mais c'est un truc de dingue. Ben voilà, eh ben écoutez,
Franchement, la team beauté majuscule, allez-y. Alors, on est plein de petites copinotes qui vont tester des produits. Alors, apparemment, c'est chaque personne va tester son propre produit de chez, va avoir un produit différent de Benefit. Moi, si je pouvais avoir toute la gamme, je serais ravie parce que j'adore Benefit. Je dis, je vais m'acheter le Oula. Ah non, mais je suis choquée. Mais vraiment choquée. Oh, mais c'est un truc de dingue. Mais j'en reviens même pas. Bah écoutez, à adopter, prenez-le. Hein. Et je crois qu'il est 30 euros et peut-être des fois quand il y a Sephora, il y a 25%, ça vaut le coup de le prendre. Mais honnêtement, moi, ça va être mon fond de teint préféré. Je l'adore. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que sincèrement, prenez-le. Adoptez-le. Il est génial. On ne le sent même pas. Mais le plus rigolo, c'est que le plus sympa, c'est qu'il sèche tout de suite, quoi. Mais j'adore. Comme quoi, des fois, on achète des fonds de teint. Peut-être on paye 15 euros, 16 euros. Mais franchement, là, vous mettez 15 euros de plus et vous avez quand même de la qualité. Et on ressent que c'est de la bonne qualité, quoi. Mais vous savez, hein, moi, je suis transparente. Hein, je ne suis pas quelqu'un qui va mentir, dire « Ouais, c'est bien. » Non, mais j'hallucine. Mais franchement, j'hallucine. Ah, mais j'ai hâte de le voir en gros plan, quoi. Franchement, adoptez-le. Allez voir mes petites copinotes en barre d'infos, elles sont marquées. Et puis, vous allez voir leur avis selon Benefit, le produit Benefit, ce qu'elles vont utiliser. Je ne sais pas si elles ont eu ça, mais en tout cas, celle qui a ça, c'est que du bonheur. Moi, je suis trop contente. J'aurais voulu aussi le crayon à sourcils, mais je me l'achèterais. Mais par contre, le Oula, là, je vais me le prendre sans problème. Voilà, voilà. Et puis ça, je l'adopte. Prenez-le. C'est de la bomba. 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 Voilà, vous voyez ce que ça me fait comme effet. Non, mais ça, hein, effervescent. Bon, ben, je vous aime. Je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, allez voir mes copinotes. Allez voir leur avis. D'accord? Si ma vidéo vous a plu, ou une pouce, si elle ne vous plaît pas. Et je sais qu'apparemment, j'ai perdu beaucoup d'abonnés. Mais à la limite, je m'en fiche parce que c'est pas mon truc, quoi. Mon truc, c'est de vous faire plaisir et de partager. C'est pas d'avoir des abonnés. Si j'avais une bonne communauté et j'ai une très bonne communauté, ça me convient tout à fait. Je vous aime, je vous dis I love you, ich liebe dich, te quiero, ti amo. Et bientôt, petit papa Noël, quand tu descendras du ciel. Avec des jouets par milliers. N'oublie pas les petits souliers de tout le monde. I love you. Ah, tout est tombé. Bye bye. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez.